selon Daniel chapitre 2, 35. 2, 35. Donc les pieds de la statue, qui fait mélanger de l'autre partie de l'argile et de l'autre partie du fer. Après, si je veux savoir par rapport à l'homme impie, est-ce qu'il viendra de ces... Parce que nous savons déjà celui qui conduit l'œcuménisme. Et de l'autre côté, nous voyons le gouvernement mondial. Alors, est-ce que l'homme impie viendra ou y aura une équité de paix entre du côté religion ou comment ça va se passer? Je voulais avoir en fait la précision. Ok, donc je veux savoir à quoi correspond... En fait, que signifie les pieds, hein? Les pieds de la statue, hein? Une partie, comme Daniel le disait, était en fer, une partie en argile. Voilà, ok. Donc, déjà on dit que la pierre, Daniel raconte une histoire, et notamment la vision du roi Nabucodonosor, qui a vu une statue, une grande statue, qui, selon Daniel, représenter les quatre premiers grands empires, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce antique et la Rome impériale. Et on nous dit qu'une pierre va se détacher sans le secours de Kulmaï, elle va frapper cette statue au niveau des pieds. Tout va s'écrouler. Donc les pieds, bien sûr, une partie en fer, une partie en argile, représentaient à l'époque l'Empire romain. Les soldats romains ont énormément utilisé le fer pour fabriquer leurs épées, leurs armes, leurs boucliers. Et une partie en argile. Alors, l'argile, dans les Écritures, on parle de... Avec l'argile, on peut fabriquer toutes sortes de choses, notamment des statues. Donc, ça a rapport avec l'idolâtrie, avec la religion. Mise en place par l'homme. Donc, il est question ici de la papauté ou encore élargir de l'église écuméniste, syncrétiste, de la religion paganisée, la chrétienté paganisée, et qui va bien sûr, c'est la fin de la Côte 17. Tu vois, non? Donc il y a un rapport entre, une alliance entre cette femme et la bête sur laquelle elle était assise. Et la bête, c'est l'Empire romain dans sa forme finale. C'est le monde globalisé, le gouvernement mondial. L'homme impie sortira parce qu'il y aura un côté de paix entre, je ne sais pas si le Palestinien et le Oui. Il y aura. L'homme impie, effectivement, va renforcer l'alliance qui existe déjà, l'alliance mosaïque, que les ultra-orthodoxes veulent à tout prix observer. Et l'homme impie viendra pour renforcer cette alliance-là pour 7 ans, effectivement. Et donc il va proposer effectivement la paix aux Juifs, à Israël. Et la paix également entre les Juifs et les nations arabes. Et également le monde. Voilà. L'Église va passer à la grande tribulation? Non. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui enseignent qu'ils vont traverser la grande tribulation. Et non, pas du tout. Ceux qui enseignent cela, ce sont souvent des gens qui... en fait, ceux qui sont à la base de cette doctrine, ce sont des personnes qui sont judéophobes, qui ont une antipathie vis-à-vis des Juifs, d'Israël, et qui vont attribuer toutes les prophéties relatives à Israël à l'Église. Donc ils disent que l'Église a remplacé Israël, et c'est pour cela que ils vont interpréter les prophéties relatives à la grande tribulation par rapport à Israël, bien sûr, à l'Église. Mais les Écritures nous disent clairement dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4 à 9, 5, 9, 1 Thessaloniciens, Romains 5, 9, Paul nous dit clairement à trois reprises que nous allons être épargnés de la colère à venir. Et nous ne sommes pas destinés à cela. Jérémie 37 nous dit: malheur, parce que ce jour est grand et c'est un jour sans précédent, mais c'est un jour terrible pour Israël, pour Jacob, et il en sera délivré. Donc Jacob, ce n'est pas l'Église. Et Daniel 9, également 24, Daniel, l'ange dira à Daniel
Et 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Et la ville sainte n'a rien à voir avec, Paris, avec Boston, avec Washington, c'est Jérusalem.